Drunken Kingdom est un jeu mêlant FPS et Tower Defense. Les habitants du village sont attaqués par les Richipladzian. Ils veulent détruire les points stratégiques du village, qui sont indiqués par les faisceaux lumineux verts. Le joueur doit survivre à 5 vagues ennemies. Le jeu se passe en deux phases. Une phase de préparation, où le joueur pourra poser ses tourelles, et la phase de défense contre vos ennemis. Vous avez le choix entre deux types d'armes. Une SMG, pour éliminer rapidement les ennemis, et un lance-grenade, pour infliger de larges dégâts. Quand vous finissez une manche, vous recevrez un montant d'argent équivalent à l'objectif que vous avez réussi à défendre. Si vous perdez un objectif, vous recevrez moins d'argent. Grâce à l'argent récupéré, le joueur pourra poser de nouveaux déployables. Grâce au double saut du personnage, vous pouvez utiliser les toits pour vous déplacer plus rapidement. De plus, des bonus de vitesse et d'invincibilité sont disséminés dans la map. Quand un objectif est attaqué, un signal sonore et un ping sur la minimap vous indiquent quel point doit être défendu. Chaque tourelle peut être améliorée deux fois, changeant ainsi ses statistiques, mais aussi son visuel. Si vous voulez retirer une tourelle, vous pouvez la vendre et recevoir une partie de l'argent dépensé. À ce niveau-là du jeu, il est nécessaire d'améliorer les tourelles qui ont été posées. La boucle de gameplay dure à peu près 10 minutes. Nous allons donc passer directement à la manche finale. Les ennemis attaquent plusieurs points en même temps. C'est maintenant que les tourelles vont être indispensables. Elles n'éliminent pas toutes les vagues, mais réduisent fortement l'arrivée des troupes vers les points à défendre.
Quand le joueur est touché par les balles ennemies, il perd des points de vie. Il suffit de ne pas se faire toucher pendant un moment pour régénérer automatiquement sa santé. Un des points vient d'être détruit. Les ennemis de cette ligne vont maintenant s'attaquer au point principal, la fontaine de bière. Si le point est détruit, la partie est définitivement perdue.